plein whisky de blé, là. Direct plein whisky de blé, là. Le président a fait des avancées significatives pour la formation des unités de réaction rapide qui sont les premières unités donc, de la réforme. Raison pour laquelle vous m'avez trouvé dans le Rwindi, en plein entraînement. Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Je pense qu'il n'y a pas la volonté du pouvoir. Ces militaires que vous voyez du 42e bataillon ont fait l'instruction, ils ont fait l'éducation civique et patriotique. Donc nous avons marché, nous avons travaillé, fait les droits internationaux, nous avons fait les droits humanitaires, les professionnalismes, le leadership. Ils connaissent l'hymne national de leur état, ils connaissent les valeurs ancestrales, ils connaissent donc la coutume de leur pays. Ils savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Notre plus grande gloire est de ne jamais tomber et relever chaque fois que nous tombons. Moi, ce que je vais dire à mes confrères, l'ennemi est à notre porte. Tous les Congolais de se mobiliser, une. D'envoyer les jeunes gens dans l'armée, qu'ils nous rejoignent dans le sang, donc sur le champ de bataille. Mais nous, en tant qu'armée, on est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre service sur terre. L'armée étant une société de respect, d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de l'homme et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas une seule journée. In regards to the international community, a stranger will never find you a solution in your own country. But since our independence, we've never been given a chance to govern ourselves without interference from the outside. June 30th, 1960, independence comes to the Belgian Congo. King Baudouin himself flies to the capital city of Leopoldville to break the bonds that have linked